Yvette Raymond, âgée de 17 ans en 1941, travaille à la poste de Noyers-sur-Cher. Et en 1941, je pense, les Allemands sont venus contrôler le courrier le matin. Et alors, avec mon facteur, on avait prévu de détourner les lettres qui étaient adressées à des résistants, lui par exemple les Gatignon, et puis Armel Jourdain et tout ça, toutes ces lettres-là. Il y avait aussi un autre type de lettre qu'on détournait, c'était celle qui était adressée à la commandanture avec une lettre, une écriture déguisée. Alors ça, on savait que c'était une dénonciation. Mon père poussait à demi-muit. Dans le tonneau, il n'y avait pas de vin. Il y avait un homme que mon père allait faire passer à la ligne de démarcation. Marceau Rivon de Noyers organise avec son cousin Bisson des passages en barque ou en tombereau par le pont de Saint-Aignan. Yvette Raymond entre en contact avec les résistants par le biais des communications téléphoniques. Le 3 juin, jour de la création du gouvernement provisoire de la République, elle est arrêtée. En 1944, j'étais responsable d'un bureau de poste de l'affaire Terbeau, et c'est là qu'ils sont venus m'arrêter. Arrêté par des miliciens, hein, c'est pas des Allemands, c'était des miliciens qui m'ont arrêté. Paulette Gatignon et Yvette Raymond seront déportés dans le convoi du 18 juillet 1944 à destination de Ravensbrück.